Et tu sais ce qui est marqué en japonais au-dessus? Non. Le ciel se couvre. Une atmosphère délétère. Regardez tous ces gens. Merde. Je les entends pas parce que de toute façon ce caméra n'est pas capable de prendre. Ça, ça doit être un truc de la style. On va leur dire bonjour, leur souhaiter la paix et leur rappeler que. À laisser passer nos gens quoi. Au détour d'architecture profane remplie de symboles à la chancellerie. Oh. Manu, casse pas les couilles. Où est-ce qu'on va? Chez Mokhtar. Hein? Casse pas les couilles, tu m'emmerdes. Moi aussi je t'emmerde. Que peut bien se cacher dans cet étrange parking? Heureusement, il est surveillé par nos amis. Merveille, miracle. Magie. Bon bah, je viens de rencontrer Pierre et Malika, fortuitement, en sortant d'un tunnel qui menait on ne sait où. Et nous revoilà au moins 5. Et la source à laquelle il m'a mené. Fou ce qu'il a l'air propre, hein. Mais sérieusement en plus. En tout cas j'en ai bu et j'ai pas été malade. Mais j'étais déjà un peu malade dans ma tête. Et donc c'est là où j'ai trouvé la pile qui a chauffé quand j'ai sorti, la première fois après avoir éteint tous les fusibles. C'est pas passé grand chose de visible. À part ça, parce que c'est l'heure, on est 54, joli. Et donc là maintenant on a un autre... un autre boîtier de fusibles qui sonne. La porte là-bas ne s'ouvre toujours pas. Donc là, c'est les choses qu'on m'a offertes. What the fuck? Oh putain. C'est juste des infos. J'espère que ça va servir à quelqu'un tout ça, parce que moi je dois bien avouer que je sais pas quoi foutre avec ça. Heh heh heh.
Oh yes, I will. Merci de garder mon secret. Donc voilà, on a le contrôle de ce panneau. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Et là, on a arrêté le bip. Ça aussi, c'est de la magie. Alors, on disait que c'était dans ce lieu spécial, au moins 5 du parc de la Monnaie. Bien centre de Bruxelles. Et que moi et mes amis imaginaires qui n'existent que dans ma tête, où tu bats là-bas sur le pilier avec la casquette, c'est Abdel. On va méditer un petit peu en triangle en mangeant là la baguette de ma. Alors Abdel, tu es content que c'est la même chose? T'as mieux faire des trucs que d'habitude pour quelqu'un de toi. Non, je ne veux pas empêcher. J'essaye de faire un monde avec les propres. Mais... On va voir s'ils ont le son en plus de l'image. Allahu Akbar! Non, on va te provoquer. Ça, c'est du troisième œil. Est-ce que vous marchez, vous? Heureusement que j'ai pas de briquet pour essayer. De toute façon, j'ai pas envie de me mouiller pour le moment. Détecteur de fumée ou détecteur de flamme. Je pense que si on fait bien nos trucs, on peut barricader ce parking. Mon petit Abdel. Mon petit Mouteba, Mokhtar, qui sait. On reprend la route. Je peux pas m'en empêcher, hein. Nouveau pour nos amis qui sont jusque-là,
Ça dégoûte les flics, hein. La pisse, la merde, les rôles épais. Si ça vous dégoûte, vous êtes avec les forces de l'ordre et pas avec les forces du chaos. Les façades se fissurent, les tours tremblent. Les miracles arrivent. Ça devrait pas être aussi difficile. Ça devrait pas être l'étape la plus dure. Bah, tu veux garder le Pepsi, ok, garde le Pepsi, ok. C'est bon, ça va. J'ai du chemin à faire. Ah, putain. Mais bon, j'ai déjà rencontré deux des personnes les plus importantes que j'avais rencontrées aujourd'hui. Et c'était complètement fortuit. Enfin, synchrone. Mettons. Je connais pas assez. Ensemble, découvrir qu'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur. Bonjour. Pas prêt. Ensemble. Avec l'aide de Ganesh. Bon endroit où se retrancher. Tout petit pied de biche. Est-ce que filmer une caméra, ça la rend aveugle ? Toujours l'air bien cette flotte, hein ? Listen, go! Pardon, Hotep. Un morceau de baguette ? Tiens, comme ça je garde le reste pour continuer à manger. Pas trop là, merci. Bonjour. Thank you.
Bien, garde cap hein. Bonjour. Génial. Pardon, 400 balles. Ouais. Il est en train de filmer. Je viens de sortir de Saint-Gilles, après de l'envoi, moi je fais de l'ascar. Il se filme. Ah ouais, quand tu fais, tu roules en vélo. Ok, j'envoie que le bonjour. Génial. Okay. À toutes les amis. Je suis en train de créer une nation sans territoire pour donner Emmanuel. Emmanuel, alors si j'étais une femme, je serais marié avec toi, Emmanuel. Je suis fiancé depuis hier. Excusez-moi, donc, je vais dédicacer à la prison de Saint-Gilles. Les gars, respect. Vous allez tous être libérés. Emmanuel, exactement. Et ça sera, c'est un message qui passera. Est-ce que tu pourrais m'emprunter 1 million d'euros? Si je les avais, écoute, je suis l'antipape. Donc techniquement, la banque du Vatican m'appartient. Écoute, si t'es là, je passe souvent, si tu m'entends siffler, tu viens me chercher. Ah ben en Ferrari ou en Lamborghini? La banque du Vatican, fieux, ils ont tout ce qui a été volé partout, c'est ce qu'est là, fieux. Le trésor des Templiers, tout ça. Combien sur toi? Je me protège bien, vous inquiétez pas les gars. Je vais le récupérer, tac. A bientôt. C'est un moteur qui s'impatiente. Allô? Alors. Allô? Yo-yo! T'es chez toi? T'es où? J'ai un cadeau pour toi. Pas de problème, je vais laisser le cadeau chez Mokhtar. Comme ça, la prochaine fois que je suis dans le centre, je viens. Je vais encore passer 7 secondes devant l'église parce que c'est ce que j'ai dit que je fais. Voilà. Donc hein, tout avance très bien. C'est la semaine, enfin c'est le moment d'un peu de repos pour tout le monde. Donc Pierre part 2 jours en retraite aussi. Moi je termine mon travail ici et demain je vais voir mes parents, etc. etc. quoi. Ok. Ouais, ça leur fera surtout du bien, tu vois. C'est ça qui est le plus important. Ouais, c'est ça. Bah écoute. Ok. Ok, ouais. Ok. Ouais, ok, pas de problème. Ça va. On va essayer de s'installer, tu sais, au kiosque à musique du Parc Royal. Non, tu verras les vidéos sur Star Picture quand tu iras voir, quoi. Mais voilà, on est là, quoi. Ok. Sinon, on est chez moi, sinon tu m'appelles, quoi. Allez, bon week-end, hein. Ouais, bientôt. Oh. C'était Mickaël.
Quoi, ça va? Tu viens vers le centre ou quoi? C'est pour ça que tu m'appelles? Ah, ok, parce que je t'en étais dehors. Écoute, je suis près de l'église, je vais passer mes 7 secondes devant l'église et puis je vais chez Mokhtar. Là, le soleil vient de se lever, il est resplendissant. Bonjour! Donc, je suis en pleine confiance de tout. J'ai récupéré l'église d'Elmet, hein, j'ai fait un rituel là-bas. Et je crois que c'est un rituel qui va plaire à Nili, alors que je sais que. Elle n'aime pas les rituels parce que quelqu'un lui a menti sur sa religion, il lui a fait croire que la magie c'était haram. Alors qu'il n'y a rien de plus halal que la magie, il n'y aurait pas de religion sans magie, il n'y aurait rien sans magie, il n'y aurait pas d'art. Ah, pas de science, allez fio, courage, je suis bien protégé, j'ai rencontré fortuitement Pierre et Malika en même temps. Pierre part 2 jours en retraite à la campagne. Et Félix, Michael fait pareil. Tout le monde est en train de prendre un petit peu de congé, donc je pense qu'on peut se permettre de prendre un petit peu de congé nous aussi, quoi, tu vois. Donc, hein, ça veut pas dire qu'on va rien faire, ça veut dire qu'on va pas faire grand chose. Ok? Moi, de toute façon, bon. Oh.
Putain, je sais pas te tenir, Abdel. Salim. C'est l'arabe. Arabe sale. Que clairement, je peux pas être un type sale. Oh putain, il y a deux anges. Oh bordel. Comme j'aime ma vie. On va les laisser venir à nous, hein. Ah mais c'est presque trop beau. Mais c'est mes amis dansants en fait. Encore mieux. Ça va mieux avec un joint même. Je peux me tromper, ça tourne hein. Je peux me tromper mais je crois que c'est mes amis danseurs de tout à l'heure, les deux anges là-bas. Ah les anges. Ouais ouais, deux anges hein. Je viens de chez Mokhtar, il ne veut pas croire. Il a vomi son Temesta, il en a repris un deuxième. Mais il a pas réussi à le prendre, il est tombé. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois plus en ton dieu ou en psychiatre? Il a dit en mon dieu, il a pris quand même son Temesta. Je suis parti. C'est une élévisation protégée, hein, tu vois, donc hein, comme Félix, hein, qui sont tous dans des prisons de la psychiatrie, quoi, tu vois, donc hein. Protégé, bien sûr, oui. Il est schizophrène. C'est ce qu'il est. Ça, c'est le protocole, c'est la vie privée. Ce n'est pas la vie privée, c'est des étiquettes qu'ils mettent sur les gens pour les emprisonner, comme il est en train, comme là. Tu te rappelles ce qu'a dit Abdel, ils ont volé son cerveau. C'est ce que je lui dis là, tu vois. À chaque fois que je mets de la bonne musique, il la coupe et il met ces trucs d'hypnose avec un psychiatre qui parle comme ça. Vous allez vous endormir parce que vous avez besoin d'endormir. En plein milieu de l'après-midi, en plein milieu de l'après-midi. C'est une nouvelle mascotte celle-là. Ouais, j'ai trouvé dans la poubelle où j'ai jeté un truc. J'en ai eu deux, j'en ai donné un à un des gars là-bas. La même ? Non, un plus petit. Je voulais le donner à Mokhtar, il n'a pas voulu parce que j'ai trouvé dans une poubelle, tu vois, donc c'était sale. Et donc voilà. En plus, il a été guéri, hein, le Minos. Bien sûr. Non, t'as vu? Ouais, je sais. Regarde, et la casquette, c'est la casquette d'Abdel. Tu vois, donc. Abdel, il a téléphoné Amsterdam Design. No time to influence. Pas de temps d'influence. Exactement, et regarde. C'est trop fort. Et c'est un triangle à l'envers sur les deux avec, tu sais, en haut, le Tout-Puissant, en bas à gauche Jésus et à droite la Sassizigi Sophia. Et regarde les anges, tu verras quand j'ai filmé, ils ont fait un truc génial tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font les anges? De la danse, c'est tentative. On a l'impression qu'ils se battent, mais en fait ils s'aiment. Ah. Regarde le bossin que j'ai trouvé, il a qu'une seule étoile malheureusement, la deuxième est perdue. Non, mais non, là, non. C'est un peu de l'usine, c'est pas bien. Eh, à ton avis, cette veste, une veste de d'homme ou de femme? Et tu sais combien ça coûte, ça? 1500 boules. J'ai plus sur moi que la plupart de ces bobos. On m'a demandé de bien m'habiller, on m'a demandé d'être présentable. Qui t'a demandé ça? Abdel. Abdel? Et regarde, bon, ça, c'est un t-shirt que j'ai trouvé dans une poubelle. Ok, je suis pas super présentable. Mais voilà, donc il y a déjà un effort.
Non, c'est pas mes amis. Mais... Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ram. Est-ce que vous avez un nom, charmant ange? Oui. Gabriel, peut-être? Oui, Michel? Voilà, on va dire Gabriel. Gabriel. Et donc ça, c'est Michel? Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander votre prénom? Non. Il peut être inventé, hein, il peut être inventé. Victoria. Victoria, bah, très bien. Bah, enchanté, Victoria. Et on va chez Bocard? Oui. L'anneau, mettons en place un des trucs de base, connaître ses droits. On peut absolument pas refuser à qui que ce soit en Belgique d'aller utiliser les toilettes de son choix. Donc voilà, je suis dans un chouette hôtel. Je vais aller laisser une de ces merdes. Comme disait mon Paul Jean, c'est le plus beau piano que je peux vous faire, les gars. Appréciez-la.